Monsieur Ali Mahmoudi, bonjour. Bonjour madame, bonjour messieurs. Alors nous allons parler un peu du domaine forestier aujourd'hui, barrage vert, forêt, incendie et d'autres mesures qui ont été entérinées hier par le gouvernement au profit de la DGF, la Direction Générale des Forêts. Alors redonner vie au barrage vert, le projet est lancé, ce barrage considéré comme étant une ceinture forestière visant à stopper l'avancée du désert vers le nord. Est-ce qu'on a pris beaucoup de temps avant de mettre en chantier ce projet? Madame, avant tout, permettez-moi de rafraîchir un peu la mémoire de nos auditeurs en rappelant les efforts qui ont été consentis par l'Algérie juste après le recouvrement de l'indépendance en 1963. On a lancé les chantiers populaires de reboisement. Donc il y avait à l'époque des journées de volontariat qui étaient organisées sur tout le territoire national. Il y avait des journées santé, journées énergie, journées... Voilà, donc du mois d'octobre jusqu'à la fin mars. Tout juste après, il y a eu la création de l'administration des forêts et de la DRS, la défense et la restauration des sols, avec notamment la création des offices nationaux de travaux forestiers. Donc après, dans les années 70, est arrivé le grand projet, l'ambitieux projet du barrage vert qui était piloté par les bras et les forces de l'ANP ou particulièrement les appelés du service national. Le barrage vert, donc, est un projet très ambitieux qui a été tracé de l'est vers l'ouest sur un linéaire de 1500 km avec une profondeur d'une moyenne de 20 km. Donc le compte est rapidement fait. C'est une superficie de 3 millions d'hectares qu'il fallait le reverdir. C'était un rempart contre l'avancée des déserts. Quelques erreurs ont été commises, notamment le non-respect des couloirs de transhumance. Donc au fur et à mesure, on corrigeait, il y a eu création de bureaux d'études qui avaient pris à bras ouverts le projet. Malheureusement, donc le projet a été suspendu, si on peut dire, dans les années 88. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que cette réhabilitation, ce projet qui a été lancé il y a à peine deux jours pour reprendre le barrage vert, tout est fait, l'expertise pour réussir sa réhabilitation, est-ce qu'on n'a pas aussi perdu trop de temps avant d'envisager de le réhabiliter puisque le projet avait été déjà initié et discuté pratiquement il y a de cela 5 ans à l'époque où M. Ferrouchi était à la tête du ministère de l'Agriculture? Absolument, madame. Donc, je continue sur la lancée. Juste après, donc, il y a eu la reprise du barrage vert par l'administration des forêts, c'est-à-dire l'ANP l'avait cédé à l'administration des forêts dans sa totalité. Donc, dans le cadre des grands travaux qui ont été instaurés en 1994, on a essayé de parer un peu à ce manque. On a repris partiellement le barrage vert, notamment avec l'arrivée du Haut Commissariat au développement de la steppe, qui a pris une frange de cet espace steppique qui est, l'amélioration des parcours. Tout de suite, en 2010 à peu près, une étude a été confiée par notre ministère au Bureau national des études pour le développement rural, laquelle étude a été réceptionnée en 2016. Donc ce n'est plus un rempart contre l'avancée du sable, mais si vous voulez, c'est devenu un projet socio-économique. D'un côté, on doit restaurer les terres dégradées, on doit améliorer la couverture forestière, on doit accompagner les populations dans leurs pratiques ancestrales, notamment les élevages. Vous deviez savoir, chers auditeurs, que cette zone-là renferme de 10 à 12 millions de têtes d'ovins, une moyenne de 40% de tout l'élevage ovin national. Donc, l'étude nous a donné un certain nombre d'opérations, donc conformément au changement climatique, au changement des pratiques agricoles, le rétrécissement du calendrier agricole. Donc, on doit restaurer les espaces forestiers existants, parce qu'il faut savoir que ce n'est pas une superficie complètement dénudée dans l'aire du barrage vert. Il y a de très très grands massifs. Je vous citerai en exemple le massif de Bnimloul dans la wilaya de Batna, qui est de 80 000 hectares. Il est à l'intérieur de l'aire du barrage vert. Donc on doit restaurer ces espaces, on doit procéder à leur extension, on doit faire dans l'amélioration pastorale, on doit faire des plantations fruitières. Tout ça a été prévu par l'étude qui a été réceptionnée en 2016 et qui va servir de base de travail dans la reprise du projet. Mais est-ce que vous en avez les capacités, les moyens nécessaires pour réhabiliter tout le barrage vert qui est d'une longueur de 1500 km et qui est bien sûr la ceinture entre le nord et le sud, notamment au niveau de la région steppique?
Madame, lors du conseil interministériel du 21 septembre, là où il y a eu l'adoption du plan national climat, le Premier ministre donc a pris une décision par rapport à cette activité, à la reprise du barrage vert, en dictant trois instruments. Le premier instrument, c'est l'installation du conseil consultatif ou l'organe de coordination du barrage vert et de la lutte contre la désertification, lequel organe est constitué d'une moyenne de 12 départements ministériels et de toutes les institutions ayant une relation avec le projet. La deuxième chose, c'est la création d'une direction, d'un organe qui chargerait au niveau de la direction générale du barrage vert. C'est-à-dire qu'il faut qu'on y ait une direction dont l'intitulé porterait le barrage vert. La troisième, c'est la création d'un outil de réalisation. Bon, actuellement, le ministère de l'Agriculture dispose d'un outil qui est le groupement du génie rural, lequel groupement devrait s'adapter. Il doit créer une filiale ou des filiales qui chargeraient exclusivement du barrage vert. Donc, à l'image de ce qui a été fait par l'ANP, les groupements de travaux forestiers de l'époque, qui étaient au nombre de 8 ou 10, donc depuis TBSA jusqu'à Naama. Mais comment aujourd'hui promouvoir des actions à promouvoir les zones typiques dans le cadre du développement du barrage vert, puisque c'est un projet qui avait été déjà initié et développé entre 1994 et 1999 et dont on n'a pas tenu compte, puisque même le Haut Commissariat aujourd'hui de les zones typiques n'est pas effectif de façon concrète sur le terrain. Contrairement aux années précédentes. Quand même, il y a des actions qui sont concluantes par rapport à ce qui a été fait par le HCDS. Je vous citerai en exemple l'introduction du culte de la figue de Barbarie dans la wilaya de Soukharas. Actuellement, la wilaya de Soukharas commence à devenir leader en matière de production de fruits de figuier de Barbarie et même dans les huiles qui sont extraites à partir de cette espèce. Il y a des choses qui ont été réussies. Madame, les dernières années du barrage vert, il y a eu des améliorations puisqu'on avait quitté la monoculture qu'on avait adoptée à tous ses débuts et qui est revenue négativement sur nos massifs forestiers actuellement, puisque nous assistons à des infestations de chenilles processionnaires dans certains massifs de pins d'Alep. Donc les dernières années du barrage vert, il y a eu quand même de l'ingéniosité qui a procédé à la création d'espaces pastoraux par l'introduction de certaines espèces fourragères comme la triplette, le Medicago arborea ou la luzerne d'Espagne, l'olivier de Bohème et certaines autres espèces. On a même été à introduire dans certaines zones à haute altitude du cèdre. On avait même de la prétention pour l'extension de nos cédrés au niveau de ces espaces. L'étude actuelle, Madame, vous, si vous le permettez, ce n'est plus la monoculture, puisqu'il y a eu un diagnostic très très précis et puis des propositions très concrètes en fonction des conditions pédoclimatiques. Donc il y a des zones où ils ont proposé du genévrier, la rare, il y a des zones où ils ont proposé même du chêne vert, du côté de l'Bayard, où il y a des reliques, un certain sujet de chêne vert, et même des bandes le long des routes où on propose du frêne, c'est-à-dire des espèces qui pourraient éventuellement résister aux conditions de ces zones-là. Mais aujourd'hui, ce qui est relevé, c'est qu'il y a eu des études qui avaient été préalablement élaborées pour la réhabilitation et voire même l'extension du barrage vert. C'était une étude à l'époque de M. Ferrouhi quand il était à la tête du ministère de l'Agriculture et du Développement Rural, une étude qui avait été confiée au Bnender, c'est-à-dire la... Et là, il s'est avéré que il fallait aussi déterminer si ce barrage sera une véritable ceinture contre l'avancée du désert. Est-ce qu'on a pu, par rapport à ces études, le prouver aujourd'hui? Est-ce qu'il limite l'avancée du désert? Puisque certains disent que les petits grains de désert sont déjà aux portes de Médéa, jusqu'à quelques kilomètres d'Alger. Si on parlait de désertification, madame, ce n'est guère l'avancée des déserts depuis le sud. Même la désertification est provoquée même à partir du nord. Vous allez dans certaines wilayas côtières où on a procédé à la déstabilisation des cordons dunaires. Le sable arrive même depuis le nord. Il y a des forêts qui ont été complètement éradiquées par des occupations illégales, par des défrichements et par l'urbanisation anarchique. Donc le désert, la désertification n'est pas la seule
l'arrivée du sable depuis le sud, mais nous sommes menacés de tous les côtés par rapport à cette terre. Mais pour revenir à l'étude, l'étude, elle est là. Elle est très pragmatique, elle est très pratique, puisqu'elle nous propose l'intervention en première priorité, elle nous propose l'intervention sur 561 000 hectares. Mais en priorité 1, elle nous donne 309 000 hectares. Donc, c'est 309 000 hectares sur une période de 3 années. Maintenant, le gouvernement a décidé d'accompagner, de relancer le projet. Inch'Allah, nous, en tant qu'administration des forêts, en tant que ministère de l'Agriculture, nous sommes là tous disposés à conduire dans les bonnes conditions la reprise de ce projet, parce que les entreprises qui vont intervenir vont être obligé à installer des pépinières et installer des bases-vie, comme ce fut le cas quand il était pris en charge par les éléments de l'armée nationale populaire. Et l'armée nationale populaire s'est retirée du barrage vert dans les années 80 pour les céder à la direction des forêts. Mais est-ce qu'on peut parler véritablement de l'extension du barrage vert, puisque même dans l'étude, il a été préconisé d'étendre le barrage vert de 1,7 million d'hectares. Est-ce que c'est possible ou pas possible, ou il va falloir d'abord commencer par la réhabilitation de l'existant avant d'envisager l'extension? Non, madame, l'étude, elle parle de 4,7 millions, c'est juste une révision de la superficie, puisque dans le temps, le calcul était fait, c'était une cartographie qui a été faite à main levée, donc on avait pris une moyenne, une longueur de 1500 km sur 20, on avait annoncé 3 millions d'hectares. Maintenant que l'étude a repris les superficies d'une manière plus technique avec l'utilisation de l'image satellitaire, avec l'utilisation des systèmes d'information géographique, nous sommes arrivés à 4,7 millions d'hectares, dont 1,7 million d'hectares qui ont une nature purement pastorale. Donc c'est ça les 4,7 millions. L'extension, madame, je vous ai dit que sur les 4,7 millions, il y a déjà de grands massifs forestiers. J'ai cité la forêt de Blimloul, il y a la forêt de Sénalba, c'est une très très grande forêt de Pendalep. Donc l'étude propose la réhabilitation de ces espaces, de ces forêts naturelles et l'extension d'environ 10% de la superficie existante. Mais est-ce qu'on peut parler de réhabilitation du barrage vert sans parler aussi de la nécessité de mettre en place un projet de loi ou une loi sur la steppe pour protéger cette zone? Bon, actuellement, il y a un dossier qui a été ouvert au niveau de notre ministère, c'est la révision des statuts du Haut Commissariat au développement de la steppe, parce que vous savez, le Haut Commissariat, jusqu'à preuve du contraire, c'est un outil de réalisation à peu près, mais qui ne dispose pas de la force publique. À chaque fois qu'il y a atteinte aux maisons de défense ou autre, il fait appel aux forestiers qui sont dotés de la qualité d'officier de police judiciaire. Maintenant, on voudrait arriver à doter cet organe pour qu'il soit autonome par rapport à la prise en charge de ces espaces qui relèvent eux aussi de l'ère du barrage vert. Donc les deux vont de pair. Voilà, réhabilitation du barrage vert et la nécessité de protéger l'existant, les zones typiques. Voilà. Alors, M. Ali Mahmoudi, je voudrais revenir un peu sur la dégradation de notre environnement et l'avancée du désert. Est-ce qu'on peut considérer qu'il est important aujourd'hui d'agir de telle sorte à protéger les zones du Nord? Il est impératif et très très urgent, madame, d'intervenir. Parce que intervenir et agir pour mettre un terme à ces dégradations. Parce que ça se dégrade de partout. Le réchauffement climatique, l'avancée du désert, comme vous l'avez si bien signalé, les incendies de forêt, les occupations illégales, l'urbanisation anarchique, tout ça donc fait en sorte à ce que notre espace se rétrécit en point de chagrin. Donc l'intervention et l'action deviennent très très urgentes. C'est pour ça que cette année, si vous le permettez, le gouvernement donc nous a chargé en tant que ministère de l'Agriculture à piloter, je dis bien à piloter et encadrer une opération de reverdissement de nos espaces, par la plantation d'un certain nombre de plants qui serait équivalent aux citoyens algériens, puisqu'il a été baptisé un arbre pour chaque citoyen. Donc,
Non, j'ai utilisé le mot de piloter parce que c'est une opération qui doit être adoptée par tout le monde. Je dis bien tout le monde, du dernier citoyen jusqu'au premier décideur. Tout le monde doit mettre la main à la pâte parce que la protection de l'environnement n'est pas le seul apanage du forestier ou du ministère de l'Environnement. Si tous les Algériens ne prendraient pas conscience de ces actions négatives qui seraient le fruit de cette dégradation, là, nous sommes c'est des efforts qui seraient perdus d'avance. Mais est-ce qu'il faudrait planter les arbres ou plutôt protéger les arbres, puisqu'on a tendance à penser aujourd'hui, dès qu'on voit un arbre, on est pressé de l'arracher. Oui, c'est devenu malheureusement un réflexe chez nos Algériens. Nous, en tant qu'administration des forêts, moi j'ai toujours dit un concept. J'ai dit que outre-mer, quand vous allez voir un bureau d'études pour lui demander de vous élaborer un permis, un plan de construction, il commence par faire le lever du terrain, et le lever du terrain, y compris les arbres s'ils en existent. Donc il conçoit la bâtisse en fonction de l'existant. Donc même il y a des coins et des recoins par rapport aux arbres. On adapte la construction en fonction des arbres existants. Chez nous, c'est l'inverse qui se passe. Vous vous présentez dans un bureau d'études, je sais qu'ils vont me critiquer. Il commence à vous faire défiler des plans sur son écran de son ordinateur. Vous choisissez le plan, vous l'adoptez et qu'il le conçoit. Et c'est le terrain qui est adapté. Donc un bulldozer ou une pelleteuse est ramenée pour terrasser le terrain et installer la construction. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc on aimerait un jour arriver à la première chose que j'ai décrite, que notre bureau d'études, en général, dans tous nos projets, que ce soit habitation individuelle ou habitation collective ou création de pôles urbains, songer à la préservation du peu des arbres qui nous restent, puisque l'Algérie, malheureusement, avec son territoire de 238 millions d'hectares, nous en disposons que de 4,1 millions d'hectares de formation verte, dont seulement 1,7 million de forêts. Mais justement, par rapport à cette question, bien sûr, l'étendue des forêts qui reste par rapport à l'espace global du territoire infime, 4,1 du patrimoine forestier, dans 1,3, c'est les forêts. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que 42 millions d'arbres plantés, c'est possible, quand on sait que déjà le plan qui existait par le passé, à savoir planter 1 million d'arbres, on n'est pas parvenu à le faire? Madame, il y a des années où on avait, en tant qu'administration des forêts, dans le cadre du plan national de reboisement qui est de 2000-2020, où l'objectif était fixé à 1,247,000 hectares, en 2007 par exemple, nous avions pu réaliser 87 millions de plants. Donc 87 000 hectares avec une densité de 1000 hectares, le compte est facilement fait. Donc on a réussi à planter 87 millions. Donc les 43 millions, les 42 millions ne nous font pas peur. D'ailleurs cette année, le plus intéressant, c'est que c'est pris d'une manière très technique, madame, ça je vous rassure. Puisqu'un travail, dès la prise de décision du Premier ministre, nous avons installé un comité sectoriel pour lequel nous, en tant qu'administration des forêts, on a été chargé de faire un diagnostic de faire un diagnostic de nos pépinières. Nous sommes arrivés à une moyenne, on a recensé tous les plans. Après, on a subdivisé le territoire en quatre espaces d'intervention. Le premier espace, c'est là, l'aire des forêts incendiées, il y a de cela quelques années, où on n'enregistre pas de reprise, donc la main de l'homme est obligatoire pour la régénération. Le deuxième axe, c'est l'aire du barrage vert. Le troisième axe, c'est le Grand Sud, où de grandes infrastructures sont menacées par l'ensablement, jusqu'à des aéroports et des axes routiers. On en voit tous les soirs sur le journal télévisé d'ensemblement des ouvrages. Et enfin, le dernier, c'est l'amélioration du cadre de vie, puisque nous serons obligés d'intervenir sur les 1541 communes que compte notre pays. Mais par rapport à ce patrimoine forestier aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour le préserver de toute forme d'agression, puisque certains considèrent aujourd'hui, si on se réfère à certains chiffres communiqués par certains chercheurs au niveau de certains centres en Algérie, c'est que sur le patrimoine global, nous avons perdu avec les derniers incendies, ces 10 dernières années, pas moins de 12 à 15 forêts totalement décimées.
Vous l'avez reconnu la dernière fois quand je vous avais invité pour les incendies. Oui, j'en connais quelques-unes. Dans la ville de Tizi Ouzou, il y a une forêt qui n'existe plus. Qui n'existe plus, voilà. Khalfoun, et on aura, il doit y avoir des exemples sur le territoire national. Mais madame, je vous rassure qu'en matière d'incendie, il est vrai que le bilan a fait que depuis 2010 à 2018, une moyenne de 32 à 34 000 d'hectares parcourus, toutes formations confondues. Mais Dieu merci, 2018 a été une année des plus exceptionnelles. Cette année aussi, 2019, malgré qu'il y a eu trop de bruit autour de ce phénomène, mais jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons perdu que 20 500 hectares, dont seulement 5 000 hectares de forêt. Il est vrai que 5 000 hectares de forêt, dont des espaces comme ceux de l'Algérie, qui sont caractérisés par de l'aridité ou la semi-aridité dans la globalité de notre territoire, un hectare de forêt perdu est une perte qui est très très difficilement remplaçable, puisque la rue site d'un reboisement est parfois très très problématique, parce que l'incendie est suivi par l'érosion, par la dégradation du terre, et pour reconstituer tout ça, de gros efforts doivent être déployés par l'État algérien. Alors pour brûler une forêt, ça nécessite une heure, pour la régénérer, il faudrait pas moins de 30 à 50 ans. Alors il faudrait revoir les dispositifs législatifs pour renforcer la législation actuelle en matière de protection des forêts. Est-ce Absolument. Qu'il faudrait les revoir texte, parce qu'elles sont complètement dépassées? Exactement, madame. Je vous concède cette remarque, puisque notre texte remonte à 1984. Les amendes qui sont prises et sont complètement dérisoires, elles ne sont plus dissuasives. Les contrevenants au domaine public sont accueillis par des pièces d'identité. Quand nos agents se présentent, ils leur offrent leurs pièces d'identité, ils leur demandent « faites ce que vous devez faire et laissez-nous continuer à dégrader ». Vous voyez à quel point nos textes sont dépassés. Mais un nouveau texte est dans cette loi, la 94-12, qui porte régime général des forêts, a été révisée. Elle est en phase d'être étudiée par les différents départements. Inch'Allah, elle sera beaucoup plus dissuasive. Mais je tiens aussi à rappeler que la protection du patrimoine n'est pas le seul apanage de l'administration des forêts, madame. Le président de l'APC, c'est le premier magistrat. Il est censé appliquer tous les textes de la République, à compter par le code civil, le code procédure civile, le code pénal, le code procédure pénale. Et dans ces textes-là, il y a des dispositions qui œuvrent pour la préservation de toute nature de patrimoine. Elles doivent être appliquées par le premier magistrat. Il ne doit pas autoriser, délivrer des autorisations de défrichement ou autre occupation du domaine qui soit privé ou public de l'État sans prendre toutes les précautions de préservation de ces espaces. Alors, revoir les dispositions légales. Actuellement, il y a la DGF qui se charge de ses prérogatives. Mais pour renforcer ces missions, est-ce qu'il ne faudrait pas aller vers la création de la police des forêts? La police des forêts existe, madame. Tous les forestiers, son application des dispositions de la Constitution d'abord et Ils n'ont pas de prérogatives de police de forêt. Si, nous sommes dotés de la... nous sommes officiers de police judiciaire. Nous disposons d'une moyenne de 700 officiers et il y a un autre arrêté interministériel de 258 qui est en phase signature. Y compris les aires protégées qui n'avaient jamais cette catégorie, cette qualification, ils l'auront dans le prochain texte pour... c'est-à-dire, ils auront à travailler directement avec le parquet, donc ils auront un peu plus de force de frappe. Et ça conjugué à l'adoption du projet de texte, j'espère, et même si on va un peu plus en avant, si les services de l'ANP nous concéderaient la restitution des armes, puisque le forestier était armé dans le temps jusqu'en 1994, malgré qu'il n'avait pas de moyens de locomotion et tout ça, il était armé. Au moins, il se faisait respecter. Vous savez qu'actuellement, les forestiers sont en train de lutter contre le braconnage, les mains nues. Il n'y a pas loin de cette semaine, au niveau de la wilaya de Borj, il y a eu une altercation entre forestiers et braconniers. Tout récemment, au niveau de Khanchila. Donc, tous les jours que Dieu fait, nous enregistrons des atteintes au patrimoine forestier dans toute sa composante, qu'elle soit faunistique ou floristique. Alors aujourd'hui, ce qui est relevé, c'est que durant les années 70, on a pensé à mettre en place ce barrage vert pour protéger le nord du sud et l'avancée du désert. Aujourd'hui, tout ce qu'on a réussi à faire, c'est la question de l'auditeur qui vous dit, c'est d'arracher tous ces arbres.
Dans l'ère du barrage vert, on n'a pas procédé à l'arrachage. Non, il parle aujourd'hui, c'est-à-dire les années 70, on réalisait des forêts via le barrage vert. Aujourd'hui, ce qu'on a réussi à faire, c'est détruire des forêts. Non, je suis désolé, madame. L'administration des forêts continue à planter, continue à faire dans l'extension et la réhabilitation de nos espaces par des actions de reboisement, par des actions de repeuplement. Je vous ai dit que entre 2010 et 2020, nous avions un projet très très ambitieux avec un objectif de 1 247 000 hectares. Mon cher auditeur, l'administration a réussi à planter 880 000 hectares. Il est vrai qu'après 2018, la situation financière du pays ne permettait pas d'avoir autant d'inscriptions, mais nous continuons à avoir une moyenne de 20 à 30 000 hectares par année. Et là aussi, je tiens à rendre hommage à certaines entreprises, à l'image de la Sonatrach, qui nous accompagne par le financement de certains projets de reconstitution de nos espaces incendiés. Et cette année, nous avons une moyenne de 560 hectares financés par Sonatrach. D'autres opérateurs sont invités à nous accompagner. D'autres entreprises qui veulent se considérer comme citoyens font des petites actions de plantation à l'occasion des week-ends via des associations. Donc l'effort de reconstitution, il est là. Il est vrai que la dégradation se fait en parallèle. Donc je dirais que c'est un peu équilibré entre ce que nous perdons et ce que nous réalisons. Voilà. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, sur les plantations utiles, posez-lui la question sur les plantations utiles, sur le plan économique, comme par exemple le caroubier, si on prend en considération le pistachier, amandier, liège, l'alfa qui existait par le passé, puisque le caroubier est l'arbre de l'avenir et du développement durable. Ah ben, c'est une très très bonne question, puisque toutes ces espèces sont prises en charge dans le cadre de l'étude, à l'exception de l'alpha, puisque l'alpha, nous en avons de grandes nappes. Mais pour le caroubier, déjà nous, Alex, en dehors de cette étude, il y a un plan réhabilitation du caroubier qui est lancé par l'administration des forêts. Je vous parlais tout de suite de l'opération Sonatrach. Presque 40% de ces espaces sont dédiés au caroubier, parce que il est vrai que cette espèce est une espèce à haute valeur économique. Donc, il y a le pistachier et l'amandier, puisque la forêt a une valeur économique aussi. Oui, le pistachier de l'Atlas est une espèce prévue dans l'étude. Nous avons même pensé à la réhabilitation de l'arganier, madame. L'arganier qui existe au niveau de Tindouf, mais qui se trouve au niveau d'un parc culturel. Nous, on a emmené avec nous des investisseurs privés pour essayer de faire dans l'extension et la valorisation de cet espace, de cette espèce dont la wilaya de Naama, puisque nous avons des exemples très concluants au niveau de Mostaganem, de Braqi, de Chlef et d'Adra. À Adrar, c'est l'administration pénitentiaire qui nous accompagne dans l'extension de cette espèce. Alors, autre question de l'auditeur, ou plutôt un reproche qui me fait directement à moi, Souhil El Hachmi. La relance du barrage vert date de 2010 dans le cadre du renouveau agricole et rural. Après une préparation de plusieurs années, votre invité a rappelé que l'étude de relance datait bien de 2010. Mais j'ai voulu dire aussi que celui qui a pris le taureau par les cornes, celui qui a commencé à en parler de façon effective, qu'il a remis au bureau d'études, c'était à l'époque de Monsieur Ferrouchi, pour restituer les choses dans leur contexte. Je voudrais revenir avec vous sur cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, les projets a pour but le renouvellement du patrimoine forestier algérien détruit par aujourd'hui, par le passé, on s'en souvient, pendant la guerre de libération nationale, bombardier français. Est-ce qu'on peut considérer, bombardement français, que ce barrage aujourd'hui, une fois ressuscité, pourra bien sûr réduire l'avancée du désert? Est-ce que c'est une seconde vie qu'on donne à ce barrage? Absolument, c'est notre objectif. Le barrage vert, c'est un projet pionnier. L'Algérie a été pionnière dans ce genre d'expérience. Il a été suivi par de très grands pays, à l'image de la Chine et actuellement tous les pays d'Afrique, puisqu'il y a ce qu'ils appellent l'initiative Grande Muraille Verte, l'IGMV, qui est financée par des bailleurs de fonds. Donc, l'exemple a été copié, alors que nous avions été les pionniers. Donc, et c'est un devoir de le reprendre, de lui redonner vie, mais je le assure que ces espaces du barrage vert n'ont jamais été bombardés par le colonisateur. Le colonisateur, non, il parle des espaces forestiers. A choisi les meilleurs espaces forestiers, c'est les forêts de chêne liège, c'est les forêts de cèdre, c'est les forêts de pin noir, qu'il avait exploité d'une manière minière et qu'il avait bombardé, puisque c'était elle qui abritait nos moudjahidines et nos félagas, comme il les appelait avant. Donc c'est ça le colonisateur. Il est vrai que les gens doivent
doivent savoir que à côté de 1 500 000 martyrs, il y a 1 500 000 hectares de perdus. Alors, très rapidement sur les questions, il y a des forêts qui sont violées chaque jour, comme celle de Canastel à Oran. Quelles sont les mesures qu'on devrait prendre aujourd'hui pour protéger cette forêt? Est-ce qu'il faudrait mobilisation citoyenne aussi? Canastel est une forêt périurbaine qui relève du domaine privé de l'État, dont l'aménagement en forêt récréative a été confié par la Wilaya dans le cadre des préparatifs. Son budget rentre dans le cadre des préparatifs des Jeux méditerranéens. Donc, c'est l'administration des forêts qui est chargée de son aménagement. Madame, je vous rassure que j'ai vu de moi-même, dans des heures très reculées de la soirée, des femmes faisant du footing au niveau de cette forêt qui commence à être restituée aux populations oranaises. Alors aujourd'hui, par rapport à la protection, bien sûr, de ces espaces verts, on a vu le conflit mondial qui est né à partir, bien sûr, de la dégradation de l'Amazonie. Est-ce qu'on peut considérer que nous sommes dans le même contexte, que nous n'avons pas préservé les poumons de l'Algérie, c'est-à-dire pour nous permettre de respirer sainement? On a tout étouffé. Voilà, c'est la raison pour laquelle est humide et on suffoque. Une question qui est très pertinente, madame. Vous me rappelez que nous ne sommes pas, l'Algérie n'est pas une île. Toutes les forêts, l'Algérie, c'est des poumons. Elle répond à certaines conventions et accords internationaux. L'Algérie s'est engagée pour le défi de Bonn qui est dont l'objectif c'est la restauration de 1 500 000 hectares de forêt et la restauration de 3 500 000 hectares de terre. Les incendies de l'été, l'Algérie a été des plus protégées comparativement à la Sibérie, comparativement à l'Amazonie, comparativement aux pays de la rive nord qui n'étaient pas traditionnellement incendiaires. Cette année, vous avez vu ce qu'on a enregistré. Je rappelle que nous, grâce aux efforts des forestiers et de tout le monde, de la protection civile et de la mobilisation citoyenne, seulement 20 500 hectares ont été parcourus, je précise bien parcourus par les feux. Et vous allez avoir de nouveaux recrutements puisque le gouvernement hier vous a dégelé la possibilité de recruter 120 nouveaux forestiers. Ça c'est une très très bonne décision puisque cette année il y a eu l'importance qui est accordée par le gouvernement au secteur de forêt ne peut plus être omise puisque presque 3 conseils interministériels ont été consacrés au secteur de l'agriculture et particulièrement aux forêts. Lors du premier dédié aux incendies de forêt, le premier ministre avait décidé de nous dégeler 1220 postes qui étaient gelés depuis 2015, lesquels postes nous permettront de recruter 620 cette année et 600 nous permettront de remettre en marche nos 3 établissements de formation. J'ai vu des appels de recrutement sur la presse nationale. Celui de Bni Slimane qui va être inauguré cette semaine par notre ministre et celui de Batna. À côté de ça, le secteur va être renforcé par 80 véhicules de première intervention qui nous permettront de créer 10 nouvelles colonnes mobiles. Nous allons avoir l'année prochaine une colonne mobile pour 2 wilayas et à côté aussi le parc roulant puisque des conservateurs viennent en mission et en bon pan à mi-parcours. Ils sont convoyés par leurs collègues des wilayas et à partir de, donc il y a 53 véhicules qui nous sont accordés dont pas loin qu'hier le gré à gré nous a été accordé par le conseil du gouvernement pour les acquérir auprès de notre entreprise publique qui est à Tiaret. Alors autre question de l'auditeur. Et la dernière, je voudrais vous la poser. Est-ce qu'on peut dénoncer les arracheurs des arbres et où, par exemple, on coupe un arbre juste pour avoir le signal de la parabole à Guy de Constantine et c'est l'exemple d'un voisin. C'est pour ça que je voulais vous la poser, parce que des fois, on coupe l'arbre juste pour avoir peut-être du vis-à-vis, alors que ça cache le vis-à-vis. Madame, quels que soient les efforts que vous allez faire, ce genre de comportement vont persister et exister. Ce genre de comportement humain, que je qualifierais d'humains, vont exister. Mais nous luttons tout le temps contre ces comportements d'arrachage, et parce que je vous ai dit... Vous avez un arbre millénaire, c'est dommage de le sacrifier. Je vous ai cité le cas de notre bureau d'études. C'est le cas le plus flagrant. Donc si notre bureau d'études a pris en considération cet arbre lors de l'implantation de ce bâtiment, le citoyen n'aurait pas eu à se comporter de la sorte, n'aurait pas eu à arracher cet arbre. Si le bâtiment était disposé de telle manière à capter les ondes de
de nos satellites. Oui, mais est-ce qu'on peut dénoncer les arracheurs d'arbres? Mais bien sûr, il faut les dénoncer. Le numéro 1070, c'est un numéro vert de l'administration. 1070 Oui, qui malheureusement, jusqu'à présent, ils ne sont qu'au niveau de la centrale. Nous œuvrons avec les opérateurs publics, les opérateurs de téléphonie, pour qu'ils fonctionnent de la même sorte que celui de la gendarmerie, de la police, pour que le 1070 sonne au niveau de la wilaya où on essaie de contacter le service des forêts. Les arracheurs d'arbres, qu'est-ce qu'ils risquent? Des pénalités, des poursuites? Bien sûr, des amendes. Des poursuites, c'est des amendes. Le forestier, je vous rassure, qu'il n'hésite pas à faire son travail. Il fait un PV, il le transmet au parquet et l'affaire est suivie de très près jusqu'à son aboutissement. Mais aux mairies de veiller à ce que ces arbres ne soient pas arrachés. Monsieur Ali Mahmoudi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bon week-end, à bientôt. Merci à vous.